Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Dans Psaume 150, Zaburi 150, il est dit nasemewa, que tous ceux qui respirent, yeyote kuna pumzia uzima, que tous ceux qui respirent, kiyote kile kuna pumua, louent l'Éternel. Sifu Yehova. Et dans le livre de Psaume, toujours là on dit, na mkitabu ya Zaburi pamlo anasema, on dit le péché ferme la bouche. Sema zambi nafungaka kinwa. Quand les gens louent, wakati watu wanasifu, toi tu as là la bouche fermée. Wewe utakia tukimya. C'est le péché qui ferme ta bouche. Zambi ndio sa kubamba kinwa yako. Un délivré. Kwa maana mkombolewa. Un moment comme ceci. Wakati sawa hii. Il ne se laisse emporter. Yeye yuko na bebwa. Mais toi tu es là, Sawokupale, président de la République, we njo rais, dans cette salle, mui chumba, l'unique régnant, munyego na tawala, Jésus-Christ, ni Bwana Yesu Kristo. Il est ici spirituellement. Eko hapa katika roho. Quand vous dansez là, wakati munacheza, ce n'est pas pour lui. Ana juu yake. Dans le même psaume on dit, Muzaburi mwa bwana sema, louez Dieu avec les tambourins, msifu Mungu na mangoma, avec des cymbales, na manzenze, avec des danses, na kucheza maringa. C'est la Bible qui nous autorise de danser. Ni Biblia kuruhusu tucheze. Amen. Si toi tu souffres. Kama wewe unateswa. Ah. On vient de parler à un qui souffre pour le amen. Unateswa. Nous quand on est ici. Si et toi pas. Vos amen. Vos amen. Amina yetu. Vous nous donne courage. Yego natupitia nguvu. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Atuna makaburi mule mkukimia. Jean était sur la terre. Yona alikuwa pa dunia. Nous au ciel. Siku mbingu. Et il entendait nos cantiques. Alikuwa anasikia mwimbo yetu. Là-bas. Kule. Nous nous entraînons. Tukwa tunajizomelesha. Nous nous entraînons. Tunajizomelesha. Il y aura l'adoration, la vraie adoration là-bas. Kwa maana kuabudu kwa kweli itakuwa kule. Il sera devant nous. Ye, mfalme atakuwa mbele yetu. Oh. Deux fois. Mara nyingi. Tu peux venir malade. Unaweza kuja hapa mara nyingi usimgonjwa. Bwana unaangalia. Tu l'as adoré. Mungu anaangalia sana mwabudu. Demons qui sont en toi. Na mapepo mchafu ndani mwako. Inatoka kumsifu Mungu. Tu vas te rendre que tu es entré malade. Wewe utaona sasa uringia mgonjwa. Tu sors guéri. Na unatoka mwenye kutunzwa. Tu ne te rends pas compte quand est-ce que j'étais guéri. Wewe haujua tena wakati kwa nyuru kutunzwa. Ni njoo tu msifu Mungu mzuri. Autant de MP. Wakati MP. Ce qui était là, il le savait. Mobutu, wanajua. Il y a des gens qui trouvaient de l'emploi. Kuko watu walikuwa wanapata kazi. Ils ont bien dansé pour Mobutu. Juu alimcheza tu maringa Mobutu. Il danse tellement. Anacheza sana. Mobutu dit ce monsieur, je Mobutu anasema huyu mimi namubeba. Il vient en privé. Anakuja kwangu. Donnez-lui du travail. Mpatie kazi. Notre Dieu. Mungu wetu. C'est le roi des rois. Ni mfalme wa wafalme. Le seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Le Il est au-dessus de tout. Yeah, eko yulu ya yote. On n'a pas assez de temps. Atuna na muda mingi. Je remercie le conseil de l'église. Mina pikia shauri yote kanisa santi. Qui m'a fait confiance pour m'accorder la chair. Yeri nitumainia kunipatia mimbali. Je remercie ceux qui ont accepté de venir écouter. Na mina pikia santi wale wakubali kwa kusikia neno la Mungu. J'en profite pour vous transmettre au nom de Jésus-Christ les salutations de notre frère. Na chukua bati ya kumletea masalamu ndugu wetu Elise. Yeye à Durba. Yeye kwa Durba. Un serviteur. Ni mtu wa Mungu. M'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Ari noma nimsalimie mu jina la Yesu Kristo. Sincèrement, je remercie Dieu. Kwa kweli nampikia Mungu asante. Je ne pensais pas que j'allais bien travailler. Mimi sikujua kusaminiweza kutumika mzuri. Satan n'a pas été clément avec moi. Sa shetani sikunchile buluma. Le vendredi. Siku ya tano. Nous avons une organisation comme ça. Tulikuwa tunatengeneza mwa fulani. Ils m'ont pris du temps. Bari nichukua wakati mingi. Jusqu'à 14h j'étais au golf. Paka na msaa 14 nilikuwa ku golf. Et mes effets chez moi à Katuba. Na mabinti yangu ya kazi yote ilikuwa ku Katuba. J'ai décidé de rompre malgré moi. Miri acha miri kamiri tika kukata. Je suis rentré et j'ai couru vite pour venir méditer. Mina kimbia mionjo wa kufikiri. Yeah. Jana. Jusqu'à 14h. Paka 14h. Retenu à hypnose. Nilikuwa ku hypnose. Dans une réunion. Mkusaniko moya. Et je forcé. Na miri jikasa. J'ai dit je me libère. Sa mina acha. Et suis venu méditer ici. Na miri kwa kufikiri huku. Et la nuit quand nous sommes rentrés. Na mangari usiku wakati tulikuja. Mon voisin est décédé. Jirani wangu alikufa. Il y avait des cantiques terribles. Kulikuwa mimbo kule. Comme c'est un catholique, ça vole nous catholique. Il y avait les kiro, bakiro, les scout, les kisa. Bakisa. Je ne pas su méditer. Mais siku ya tana mlanga ya kufikiri. Mais Dieu, lakini Mungu, il reste Dieu de sa parole. Anawakia Mungu wa neno lake.
Nous parlons sur le sujet que nous avons intitulé que je rendrai les hommes rares. C'est une parole que Dieu a promise par Esaïe. Dieu a promis qu'il rendrait les hommes rares. Nous pouvons les lire dans Esaïe 13. Esaïe 13, vous pouvez vous mettre debout, nous lisons Esaïe 13, chapitre 12. Je me confie dans la prière qui a été faite. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Et je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Vous pouvez vous rasseoir. Dans ce sermon, quand on a lu Frère Branham, nous avons recouru au temps de Noé, où nous avons dégagé trois groupes. Enoch, Enoki, qui est parti dans l'enlèvement, et Noé et son groupe, Noa na kundi yake kidogo, qui sont passés par la grande tribulation, puisque Noé, quand il est entré dans l'arche, tout ce qu'il a laissé sur la terre, maison, nyumba, champ, mashamba, bétail, manyama, tout, biote, il a perdu. Biote alipoteza. Et les incrédules qui sont morts dans, par l'eau, wakuto kwa mini, wale wanyao kwa mini, wale kufa kupitia mai. Et Jésus nous dit, ce qui arriva des temps de Noé, na Yesu anatonesha ile ilifika kama wakati ya Noa, arrivera pareillement. Itafika vile vile mwi wakati. Il prend aussi le temps de Lot. Anachukua vile vile wakati ya Lutu. Frère, si je peux avoir la craie. Kama nous kupata ko chaki. Au temps de Lot, wakati ya Lutu, il y avait Abraham. Waka Ibrahimu avec son groupe. Na kunzi yake. Il y avait Lot. Waka Lutu avec ses deux filles. Na binti yake na wawinti yake wawili. Et il y avait les incrédules. Na kuruwaka tena watu wakutoka mini. Abraham. Ibrahimu. Pendant qu'il mangeait, qu'il fêtait. Wakati alikuwa na sherehe ya karamu na kula. Avec Dieu. Na Mungu pamoja. Avec les anges. Na wa malaika. Lot. Lot. Frère Branham, quelque part il dit. Nduku Branham fasi mwe hivi anasema. Il dit, à la veille où on brûlait Sodome. Ile siku alichomwaka Sodome. Kukachike yake. Kesho yake. Kesho yake, voilà. Quand on brûlait Sodome. Akato kwa Sodome alikuwa analungula. Abraham continuait le reste de, la, de manger le reste de leur fête. Et Ibrahim alikuwa anaendelea na kula ile mabaki ya chakula ya karamu. Pendant que les vierges folles vont commencer à souffrir ici. Wakati wabikira wapumbafu walikuwa tendelea kuteswa pa dunia. Vous et moi qui irons au ciel. Mwe na mimi tutaendaka kumbingu. Nous serons en train de manger. Tutakuwa na kula. Manger, tunakula, chanter, tunaimba, danser, tunacheza, glorifier Dieu, tunatukuza Mungu. Alors que les autres ici, japo hao wengine hapa, la Bible dit sont en train de grincer les dents. Biblia inasema kuna saka meno. Et à notre temps, na mwakati yetu, on nous a dit, alitonesha, que au moment où le Fils de l'homme sera révélé, mwakati mwana wa mtu atafunuliwa, il a, les choses arriveront pareillement. Bitu bitafika paka vile bilifikaka mwile wakati. Et le Fils de l'homme a été révélé, na mwana wa mtu alifunuliwa, par le don du discernement. Kupitia ile zawadi ya kutambua maro. Le don du discernement, ile zawadi ya kutambua maro, c'est un don divin. Ni zawadi ya Mungu. Il n'y a que Dieu seul. Ni Mungu peke yake. Il a accompli chez Abraham. Alitimiza kwa Ibrahimu. Jésus l'a accompli chez les Samaritains, chez les Juifs. Yesu alitimiza kwa Samaria na Wayuda. Chez les nations. Na kumataifa. Dieu l'a fait au travers de notre frère Branham. Mungu alitimiza kupitia ndugu yetu Branham. Et il l'a fait en lui. Na alifanya ndani yake. Pas comme individu. Hapana sawa mtu mwanadamu. Il l'a fait en lui. Alifanya ndani yake. Comme membre du corps de Christ. Sawa member au kiungo ya mwili wa Christ. Peut-être qu'on aura le temps de venir avec cet enseignement. Le signe du Fils de l'homme. Puisque c'est là que beaucoup de gens se perdent. Non, qui, quel est cet homme? Quel est cet homme qui a déjà accompli ça? Jésus a dit, si on vous dit que je suis dans le désert,
mujangwa. Que je suis là-bas. Niko fashi fulani. Que je suis là-bas. Niko mchumba. N'y allez pas. Mushendeko. Pourquoi? Tu as nini? Dans notre temps. Mwakati yetu. Il n'y a aucune promesse où Jésus devait venir physiquement. Hakuna malako ile Yesu alipasikuya mumwili. Il fallait que le don du discernement s'applique aussi aux nations. Sasa ilipasa ile tawaja kutamua maro itimizwe mataifa. Par sa grâce. Kusa Mungu kwa neema yake. Par son amour pour l'épouse. Mapendo njua bibi harusi. Il l'a accompli dans l'un de nous. Alitimiza en tant que membre du corps, pas en tant que Dieu. Non. Quand Jésus en tant que Dieu était sur la terre et qu'il y avait la plénitude de l'Esprit en lui, aucun homme n'était baptisé du Saint-Esprit. Mais frère Branham, quand il était sur la terre, dans son église, il y avait les gens baptisés du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas avoir la plénitude. C'est simple que ça. Il est couillé à moi, pessissana. Puis s'il y avait deux personnes, c'est-à-dire plénitude moins deux, Nigusema, il est couillé à moi, pessissana. S'il y avait 20 personnes, plénitude moins 20. Nikusema mwile utele tutosa plénitude moins 20. Sasa ile utele tutosa 12. Aina tena utele. Nous ne sommes pas dans ce sujet. Atuna mwile tungo. Et ici on a les élus. Na hapa tuna wateule. Ici les vierges folles. Wabikira wapumbafu. Et les 144,000. Na wale wa 144,000 wa Israeli. De l'autre côté, les incrédules. Na ile ngambo ingine watu wakutokuamini. Que Dieu rendra rare. Na Mungu atawafanya kidogo. Le parallèle. Ile mfananisho. Et. Na. Après l'enlèvement. Kisha kunyakuliwa. Il y a eu deluge. Kurwa darika. Après l'enlèvement d'Enoch. Kisha kunyakuliwa kwa Enoch. Abraham. Ibrahimu. Continuer la fête. Arkwa nendelesha karamu. Après que Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. Kesho yake ya Sodoma kuchomwa. Et nous les élus. Na shewa teule. Nous montons. Tunapanda tunayakuliwa. Et quand nous montons. Na wakati tunapanda. Dieu rentre chez Israël. Mungu anarudia kwa Israël. Il rentre chez Israël. Anarudia kwa Israël. Puisqu'il reste encore 7 ans pour Israël. Maana unawakia tena kusha wakia miaka 7 njua Israël. Église, nous sommes ensemble. Kanisa tuko pamoja. Il reste 7 ans pour Israël. Unawakia miaka 7 njua Israël. C'est-à-dire Dieu. Il a conçu le temps de rédemption pour Israël. Nusema asa kutunga mapu ya ukombolo ya Israël. On appelle 70 semaines. Banaita majuma makumi 7. Et Israël a déjà consommé 69 semaines. Israël a déjà consommé déjà ma juma ma kumi sita na tienda. La 69e semaine s'était accomplie lorsque Jésus mourait. Il est juma ya 69 il timiza wakati Yesu alishuka. Et à partir de là, na kwanzia pale, ce sont les âges de l'église. Ni makani ni makizazi ya kanisa ilianza. Et regardez quelque chose. Na mwangalie kitu fulani. On en a parlé avec Frère Eric hier. Tulizungumza na ndugu Eric jana. Pendant que Jésus est venu, wakati Yesu alikuyaka, Israël était aveuglé. Israël alipofushwaka. Ils n'ont pas su le reconnaître. Abakumutambue. Ils l'ont rejeté. Barimukatala. Et regardez dans les 7 âges de l'église. Sasa mwangare mwile vizazi saba ya kanisa. Quel est l'âge où on parle d'aveuglement? Ni mukizazi kanimule wanasema kupofushwa. Laodikia. Laodice. Laodikia. C'est l'âge aveugle. Nikizazi kipofu. C'est-à-dire de ce côté des nations aussi. Mwinga mwa mataifa na. Christ dehors. Kristo nje. Amen. Dehors. Kristo yuko nje ya kanisa. Israël l'avait rejeté. Israël alimkatalaka. Christ est venu chez nous. Kristo anakuja kwa mataifa. Na nous aussi. Sasa na shie. Ba nous ici. Hapana shie hapa. Le monde. Dunia. Les nations. Mataifa. Les églises. Makanisa. Ils l'ont rejeté. Baisha kumkatala. Et c'est le signe. Na ni halama. Qu'il rentre. Anarudia kumata kwa Yuda. Et quand nous montons, na wakati sisi tunapanda, pour aller au ciel, juu kwenda kumbingu, directement commence le temps des Juifs. Sasa pale wakati wa Yuda inaanza ile juma ya mwisho. Et le salut chez les nations s'arrête par là. Na pale kofu kumata inamalizika. La rédemption du côté des nations. Ukombozi ngamwa mataifa. Fini. Inamalizika kwa lote. Les élites sont complets. Monté. Wanapanda. Et les vierges folles sont déjà sauvées. Wabikira wapumbafu wanaokolewa. Et le reste. Na wengine wale wanabakia. Ils sont perdus pour toujours. Bo, wanapotea kwa lote.
Aujourd'hui, c'est ton jour. Leo ndio siku yako. Et on a pris le chiffre 20. Na tuchukua hesabu makumi mbili. Comme le nombre de gens dans le monde. Tunaona mfano sawa ndio bunge wa watu mdunia. Actuellement ou au moment où les choses vont se passer. Au hapa sasa au mwile wakati vile vitapitikanaka. Quand la colère de Dieu va venir. Wakati kasirani ya Mungu itapiga dunia. Dieu dit, je rendrai les hommes rares. Mungu anasema mitafanya watu watakuwa kidogo sana. Ça sera au temps de la colère. Itakuwa ni wakati ya kasirani. Et la colère va arriver, la colère de Dieu arrive ou le jugement de Dieu arrive au sixième sceau. Asirani ya Mungu hukumu yake inafika ile muhuri ya 7 ya 6. Le sixième sceau. Ile muhuri ya 6. Il commence ici. Inaanzia pale. Et se termine à l'entrée au millénium. Na inamalizikia mkuingia kumkutawala wa miaka 1000. Le cinquième sceau. Muhuri ya 5. Dès que l'alliance est rompue. Wakati ile agano inavunjwa. Ceux qui sont venus en semaine comprennent bien. Alikuwa mjumbe anaelewa mzuri. Dès que l'alliance est rompue. Wakati ile agano ya Israeli ya salama inakatwa. Il tue le martyr. Wanakuta wa mashahidi wala kufia injili. Le cinquième sceau glisse légèrement ici dans les trompettes. Ile muhuri ya 5 inaingia kidogo kupitia ule parapanda. Le septième sceau est ici. Na muhuri wa 7 kuni pale. Puisque dans le coupe, mwile bikombe, c'est la suite du sixième sceau. Ni kuendelea kwa muhuri wa 6. Peut-être qu'on pourra en parler. Tunaweza kusema. Mais retenez que le sixième sceau. Lakini mshika kusema muhuri ya 6. Et le sceau du jugement. Ndio muhuri ya hukumu. Où tout ce que nous avons vu. Msha ile yote tuliona. Et tout ce que nous verrons aujourd'hui. Na vile tutaona leo. Ça va se passer là-bas. Itapitikana mwile wakati ya muhuri ya 7. Ça se passe ya 6. Avec les trompettes d'abord. Itaanza na parapanda. Et les sept trompettes. Ile maparapanda 7. Et ça s'achève avec les sept coupes. Na inamalizika na ile vikombe 7. Et le coupe. Na ile bikombe. C'est par eux. Ni kupitia ile kombe. Par ou par elle. Kupitia ile bikombe 7. Que s'accomplisse la colère de Dieu d'après Apocalypse 15:1. Njo pale kasirani ya Mungu kuna timilika kufuatana na Ufunuo 15 mstari wa kwanza. Et Apocalypse 16:1. Na Ufunuo 16 mstari wa kwanza. La colère s'accomplit au moment des coupes. Ni pale kasirani kuna timilika wakati ya bikombe. Mais les trompettes. Lakini maparapanda wa baragumu. C'est le jugement aussi de Dieu. Ni hukumu nayo ya Mungu. L'ensemble est qualifié de fléau. Ile wanaita yote mapigo. Le fléau. Mapigo. Puisque au sixième ici. Kwa maana pale. Presque du côté des nations. Eh, pande kubwa ya mataifa. Du côté d'Israël. Ngambo wa Israeli. Les bien-aimés de Dieu. Wapendwa wa Mungu. Sont déjà tués. Basha kuuawa. Donc Dieu n'a plus personne sur qui faire confiance. Sa Mungu ashina na mtu anatumainia. Il regarde au Congo. Anangara mu Congo. Les incrédules. En Zambie, Muzambia, les incrédules. En Afrique du Sud, Kusini, les incrédules. Kwamini, en France, Mufransa, les incrédules. Kwamini, il regarde aux États-Unis, Amerika, les incrédules. Kwamini, alors il est fâché. Shirika, sasa. Et nous avons dit qu'avec la mort des martyrs, na, tulisema, kule kufa kwa mashahidi, leur nombre entier. Ile bunge yoyote. On a considéré ça comme deux personnes. C'est comme ça qu'on a fait 20 moins 2, on est resté avec 18. Et avec la troisième trompette, il y aura l'étoile qui va tomber dans l'eau, une étoile qui va tomber dans l'eau, et l'eau va être amère. Et quand les gens prendront ça, ils vont mourir. On a vu qu'il y aura mort de beaucoup d'hommes. Et on a pris trois comme l'ensemble des gens qui mourront. Comme ça qu'on a fait 18 moins 3. Nous sommes restés avec 15. Et la trompette suivante. On a vu que dans cela, il y avait les extraterrestres qui viendront et qui vont agir sur l'humanité. Et il y aura les tiers des hommes qui vont mourir. Et on a pris 15, les un tiers de 15. On a trouvé que c'était 5.
15-5. Nous sommes restés avec 10. Et dans la suite, dans les coupes, on a vu la troisième guerre mondiale où les rois seront réunis, où les militaires de presque tous les pays seront réunis, où l'Amérique sera écrasée par la Russie, où Vatican, où l'Europe sera touchée, où les armées qui iront à Israël tous mourront. Et dans cette guerre-là, aucun militaire ne rentrera vivant. Tous mourront là en Israël. Et l'ensemble de ces gens, on a pris 3 personnes, ainsi que nous sommes restés à 7 sur 20 personnes. C'est-à-dire, on est resté à 7 personnes. Puisque l'écriture initiale, Dieu dit, je rendrai les hommes rares. Les hommes rares. C'est ça qu'on a vu en semaine. Et là, on met un point virgule aujourd'hui. Et notre sujet, c'est Dieu qui promet. C'est une parole prophétique. Quand Esaïe a parlé, c'était après l'événement de Noé. C'était après l'événement de Lot. Et depuis lors, Dieu n'a jamais accompli cette écriture. Et Frère Branham, dans le 6e saut, il dit, quand vous prenez Esaïe 13, vous verrez que Esaïe 13, dans cette partie-là, il avait vu la révélation du 6e saut. Donc, l'Esaïe 13 correspond au 6e saut. Le saut de jugement. Le saut où Dieu va donc concrétise sa vengeance sur le païen. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est par ce 6e saut que Dieu accomplit cela. Maintenant, aujourd'hui, nous prenons la dernière partie d'Apocalypse 16 pour compléter à ce que nous avons annoncé. Apocalypse 16, Ufunuo 16, versets 17 à 21. Mustara 17 paka 12 na moja. Le septième versa sa coupe dans l'air. Wa saba aka mwanga kikombe yake mpepo. Et il sortit du temple du trône. Akatoka mwekalu. Akatoka kumwekalu pakiti. Akatoka mwekalu pakiti. Une voix forte qui disait. Na sauti kubwa ilikuwa nasema. C'en est fait. Inafanika. C'est kunaisha. Kuna malizika. Il y a des éclairs. Kulikuwa mianga. De voix. Masauti. De tonnerre. Mingurumu. Écoutez ici. Musikie. Et un grand tremblement de terre. Na utetemeko kubwa wa dunia. Tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Donc le tremblement qu'il y aura, ça n'a jamais été. Tout ces tremblements que nous voyons ravager les villes, terrasser les maisons, emporter les gens, on dit que ce tremblement est différent. 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties.
Et les villes des nations tombèrent. Na ile mijiote mataifa ikanguka. On dit bien les villes des nations tombèrent. Ma mijiote mataifa ikanguka. Et Dieu se souvint de Babylone la grande. Na Mungu akakumbuka Babylone mkubwa. Pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ndio akumpatia ile kikombe ya mvinyo ya hasira yake kubwa. Écoutez dans 20. Musikie Samu mstari 22. Et toutes les îles s'enfuient. Nabi sanga biote bikapikakimbia. Bikapotea frère. Bikapotea. Et les montagnes ne furent pas retrouvées. Namilima ikonekane tena yote kapotea. Église, suivez bien la description. Kanisa mfuate mzuri. Et une grosse grêle. Na mvula kubwa maibwe. Dont les grêlons pesaient un talent. Na ile yenye maibwe ilikuwa na kilo sana. Tomba du ciel sur les hommes. Ikaanguka toka mbinguni ya watu. Et les hommes blasphémèrent Dieu. Na watu wakakufuru Mungu. À cause du fléau de la grêle. Kwa ajili ile mapigo kubwa ya mvula maibwe. Ce fléau était grand. Kwa maana ile mapigo ilikuwa mkubwa sana. Un talent. Ilikuwa na kilo sana. Un talent. Talent moya. C'est l'équivalent à peu près de 27 kilos. Ikunogusa 27 kilos. C'est 27 kilos. Ça 27 kilos. En ce moment. Oui, wakati. Les gens n'auront plus de maison. Watu hawatakuwa na manyumba. On va les voir. Tutaiona. Donc ils seront exposés dehors. Kusa watakuwa tu nje hivi. Et un glaçon. Na ile glace. Un glaçon de 27 kilos. Il est ribu à 27 kilos. Ça vient terminer sa course sur toi. Inakuwa kuishia wewe. Et on dit bien que les gens vont blasphémer. Kusa bantu watakufuru. Ça ne sera pas un jeu. Aita kwa michezo. Donc un glaçon d'à peu près le sac de 25 kilos ici. Glace à 27 kilos. Ça tombe du ciel. Yusa mfuko ya bunge na kuangukia. Et ça vient terminer sa course sur toi. Inatoka kumbingu na kuishia mkichwa. Quand on parle de la colère. Wakati wanasema juu ya kasirani. Ce n'est pas un jeu. Aina michezo. Ce n'est pas un jeu. Aina mchezo. Ce ne sont pas des choses qui doivent arriver toi qui as écouté ce message sur la terre. Aina bitu inaweza kufikia wewe mtu risikia hii ujumbe pa dunia. Tu vas rester courroie. Utabakia juu ya nini? Noé a écouté son message. Noé alisikia ujumbe yake. Il a été sauvé dans l'arche. Yeye alipona msafina. Lot a écouté son message. Lot alisikia ujumbe yake. Il a été épargné du feu. Yeye aliepushwa kwa ile moto. Mais toi tu as écouté ton message. Sasa wewe risikia ujumbe kati yako. Utabakia kufanya nini? Tu vas condamner qui? Utahukumu nani? Nous avons prêché. Si, tulihubiri. Amen. Ndugu. Une grosse grêle. Sa ile mvula mkubwa maibwe. Dont les grêlons pesaient un talent. Ile nye maglasi kwa na buzito ya 27 kilo. Tomba du ciel sur les hommes. Ili amka toka mbingu yule watu. Puisque là aussi on nous dit. Kule wako wanasema. Que de ce tremblement, les villes des nations tombent. On va les voir. Donc les gens sont sans abri. Donc il n'y a plus l'état de mon enfant. Le fléau est tellement grand que tu dois penser à toi-même. L'enfant part. La mère a pas, papa a pas. Baba yeye mwenyewe. Il n'y a plus le temps de dire que je protège l'enfant. Non, non. Auna na wakati ya kusema ni unakinga kwanza mtoto. Avec ce poids. Na hii buzito. Quand ça termine sur toi. Wakati kisha. Tu vas aller au sol. Utanguka ni pa chini pa bulongo. Frère et sœur. Nduku na dada. On ne doit pas jouer. Tushicheze. On ne doit pas jouer. Tushifanye michezo. Nous ne sommes pas réunis ici pour jouer. Atukutikusanya hapa njoo ya kufanya michezo. Dieu nous a envoyé ce message. Mungu alitutumia hii ujumbe. Parce que quand vous lisez dans Thessaloniciens. Mukisome wa Thessalonika. La Bible dit. Biblia nasema. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mungu asikutayarisha njoo ile kasirani yake. Non, il ne nous a pas destinés à ça. Asikutayarisha njoo ile kasirani. Et la preuve. Na hakikisho. Il nous envoie le message pour échapper. Anetutumia ujumbe tu tuepuke kule kasirani. Il ne nous a pas destinés à ça. Yeye asikutayarisha njoo ile kasirani. Le tremblement. Utetemeko wa dunia.
Voyez ce que ça va faire. Unaona vile itafanya. Revenons à Isaïe 13. Turudie ku Isaya 13. Isaïe 13. Isaïe 13. Isaïe 13, 13. Isaïe 13, mustari wa 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. C'est-à-dire, il dit, je vais ébranler les cieux. Tout ce qu'on a mis dans l'air. Oh satellite. Oh je ne sais pas quel instrument. Oh monsieur Dieu, ma fille. Oh je ne sais pas quoi. En ces jours. Au temps de la colère de Dieu. Toutes ces histoires vont éclater là-bas. Tout. Ne pensez pas que vous serez capable de contrôler Dieu par vos satellites là. C'est ça le ciel que dit, je vais ébranler les cieux. Et la terre, sur sa base, il va bouger. Yo, itatenka. Je devais prévoir une assiette pour... Bon, prenons que ça c'est une assiette. Et qu'il y a de l'eau. Quand je garde ça comme, équilibré comme ça, l'eau est tranquille, non? Mais quand ça penche comme ça, l'eau se déverse. N'est-ce pas, Église? Maintenant, quand la terre va bouger, les océans vont se calmer. Ça va décharger quelle quantité d'eau? Toutes vos villes européennes et américaines qui sont au bord de l'eau. C'est de la folie. C'est de la folie. Moi, je vis dans les réseaux sociaux. On a créé une île artificielle. Du côté d'Asie, on a fait ça en forme de palme. Yangazi. Et les gens ont apprécié. J'ai suivi ces documentaires-là. Ils prenaient du sable dans la mer. Et les pierres, ils superposent. À partir de l'océan, ils ont formé une terre. Je me dis, quand ce tremblement de terre, parce que dans ce tremblement, on nous dit que les montagnes ne seront plus là. Si la montagne ferme va disparaître. Mais vos histoires là, vos îles artificielles, ça y est, Dubaï, tapoté. On va les lire. Tout à l'heure. Dans Apocalypse là, on nous dit que les villes des nations étaient disparues. Les Mufuno va nous donner ça, mamie, du coup, on a taï faut ripoté. Disparues. Il est pomo kayote. Quand Jean regardait, il ne voyait plus rien. Wakati yona kwa ngarashkone kitu. La sagesse de l'homme. Et qui m'a amoutou? Esaïe 24. Isaïe 24. Moussara wa 19 à 20. Écoutez de ce tremblement ce qui va arriver. La terre est déchirée. Kusema dunia yote na pasuka. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Inanguka. Elle ne se relève plus. La terre est fissurée. Donc un mouvement tel que j'aime bien utiliser les tableaux pour certains. Ça c'est la terre. Avec le mouvement, il n'a pas su pande.
Rafiki utakuwa wapi? Mais où seras-tu, mon ami? Nous venions de chanter. La colère de Dieu. Kasira ni kuwa Mungu. Luc 21. Luka makumi mbili na moja. Je ne vous fais pas peur. Mais je voudrais susciter la soif d'abandonner le monde. Lakini napenda kulamusha kiu ya kuachana na dunia. De dire qu'aujourd'hui, usema leo, moi et le monde, mie na dunia, j'arrête. Unamalizikia hapa. Puisque je trouve que minaona kusema, je perds mon temps dans le monde. Niko napita wakati yangu yote mu dunia. J'ai intérêt d'investir en Jésus-Christ. Niko na ile faida ya kutia hazina yangu ndani ya Yesu. Quelqu'un qui comprend comme ça, mutu anaelewa vile, avec son argent, namfeza yake, j'investis en Christ. Yanatia hazina yake ndani ya Yesu. J'investis en Christ. Natia hazina yake ndani ya Yesu. Prêt, on va lire. Ndugu tutaisoma. Quand nous rentrerons de la fête des noces, wakati tutatoka karamu ya kondo, il n'y aura aucun étage sur la terre. Akuta kuyaka hata nyuma mwa étage pa dunia. Il n'y en aura pas. Akuta kuyaka. Je ne t'interdis pas de construire un étage. Mais quand nous rentrerons, lakini wakati tutatoka karamu, aucun. Akuta kuyaka nyumba étage hata moya. On va le lire. Tutaisoma. Je n'invente rien. Nous prêchons la Bible. Biblia. Le message est venu nous ramener à la parole de Dieu. Ujumbe ilikuwa njia kuturudisha kumandiko yenye kwa neno la Mungu. 21, 25, 26. Luka makumi mbili na moja, mustari il y aura des signes dans le soleil. Kutakuwa kama alama dans la lune. Munyota, et dans les étoiles. Na manyota. Et sur la terre. Na padunia. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Kutakuwa boga kubwa kwa mataifa. Kutakuwa mangaiko. Mangaiko. Vous comprenez? Il y aura de l'angoisse chez les nations. Kutakuwa mangaiko kwa mataifa. Si toi tu veux vivre ces angoisses, ok, continue. Kama unapenda kuishi ile mangaiko, endelea. L'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Yetawa mataifa ni batashindwa kya kufanya. Au bruit de la mer et de flots. Kuile tu makelele ya bahari ya mawimbi. Na mawimbi. Tu vois, quand la terre va basculer. Wakati dunia itatetemeka. Les eaux feront le bruit. Les gens ne sauront quoi faire. Bantu batashindwa kya kufanya. Les lacs. Mamitoni. Mabijiwa binene. Mabijiwa binene. Les mers. Mabahari. Les océans. Maocean. Vont se libérer. Yo itapasuka yote itamwangika. Fuyez le monde. Tukimbieni dunia. Fuyez le monde. Tukimbie dunia. On n'a rien à gagner dans ce monde. Mudunia amuna faida ta moya. Le message. Et ujumbe. C'est l'expression du grand amour de Dieu pour Laodicée. Dieu vient te donner. C'est comme quelqu'un qui traîne sur la nuit dans un endroit où il y a des risques. Mais quelqu'un vient avec un véhicule. Il te dit monte ici, je t'amène chez toi. Je pense en humain. Tu vas le remercier. Et tu n'auras même pas le temps de refuser. Pourquoi? Puis tu reconnais que je suis à un endroit dangereux. Aujourd'hui la terre. Léo, c'est un moment dangereux. Ni wakati mwa hatari. Fuyez. Mukimbie. 26. Les hommes rendant l'âme de terreur. Watu watakufa tu kwa boka. Watakuwa na zimia. Watakuwa na zimia. Dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Wakichunga kile kitafikia dunia. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Kwa maana mauwezo yote ya anga itatingizikwa. Tout dans l'air. Yote mwanga. Ce que les Américains ont mis. Il y a toi Amérique au sacoutier. Les Russes ont mis. Wa Russie au sacoutier. Les Français. Wa France. Les Anglais. Wa Anglais. Les Chinois. Wa Chinois. Les Japonais. Wa Japonais. Les qui tout ce qu'ils ont mis là-bas. Yote la sakweka mule. Rien ne va rester là-bas. Hakuna kitu kile kitabakia mule. Le jour un jour quand j'ai vu les documentaires sur les astéroïdes. Siku ile mironaka documentaire sur les astéroïdes. Donc c'est ça. Ma ile ma astro sakweka mule, ma satellite. Non non.
The grosses pierres que Dieu a créées, biko mumbingu. Ile maiwe makubwa sakwe Mungu alishakuma mumbingu. J'étais effrayé. Mirisika kaboka. Et c'est là que j'ai bien compris cette prédication. Njo pale miri elewa kamuzuri mahubiri. Le commentateur il dit. Ule munyaranzo usema anasema. Il dit la plus grosse astéroïde. Anasema ile ile kubwa ya munene. A une circonférence de 30 km. Iko na bunene ya 30 km. Moi je dis bon. Cet astéroïde qui a une circonférence de 30 km. Ça ile ile bona ile na bunene wa 30 km. Si elle tombe sur un quartier. Asa kama na ngia mu quartier. C'est Katuba kote kimya. C'est toute la commune de Katuba. Si Dieu lâche seulement. Kama Mungu anaacha tu ile ribwe kubwa. Bi 5 mu Lubumbashi. 5 pieds. Hatuna. Nous ne serons plus. Amen. Ils ont montré comment ça circule. Ils disent que c'est accidentellement que ça puisse se rencontrer. Ça ne se passe pas tout pareil quoi. Donc c'est accidentellement. Donc, chaque astéroïde a son parcours. A son parcours. Il s'est vite, mais des fois il se rencontre. Puisqu'il y en a qui s'étaient rencontrés, c'était tombé au Soudan. Et c'est suspendu dans l'air ici. Si Dieu libère ça, toi tu seras où? Oh, États-Unis puissance. Oh, telle puissance. Oh, America, si Dieu libère ça. Kama Mungu anacha tu ile les maïbe. Américains, ils ont même créé une bombe. Ba America, ça, kwa na bombe. Ils disent si un astéroïde se libère, kama kusaya ile ribu inanguka, on va tirer. Tushie tapiga ile bombe. Comme ça, ça explose. Yo, inapasuka, moi, pasuka. Ça, c'est la manière de penser pour l'homme. Hii, njo namna ya mtu si kuwaza. Dieu libère mille. Kama wanamwanga mille. Oui. Au lieu de supplier Dieu, pale ya kumusi Mungu, vous fabriquez votre petite bombe. Mwe mu natunga ile bombe yenu kidogo. Si Dieu libère 3000 astéroïdes. Kama Mungu anamwanga tu 3000. Où est votre intelligence? Asa kiri yenu ku wapi? Dans la Bible, mu Biblia, on dit que l'homme a l'intelligence d'un fou. Musa mtu yeko na akili sawa bazimu. Tout homme. Mtu wote. C'est pourquoi Dieu dit. Njoko na Mungu anasema. Vos pensées. Mawazo yenu. Ne sont pas mes pensées. Aina mawazo yangu. Puisque notre intelligence. Sa akili yetu. C'est l'intelligence d'un fou. Ni akili ya mtu mazimu. Quand tu prends tes pensées. Ukiama mawazo yako. Ya la parole de Dieu. Unaiweka mawazo maneno ya Mungu. Ça s'appelle la folie. Ile inakuwa bazimu. Et c'est ce qui est arrivé aux vierges folles. Joel ilifikia wabikira wapumbafu. Ils ont pris la parole. Bale maneno. Et les pensées des hommes. Na mawazo ya watu. Ils ont mis ensemble. Wanaichanga. Et ça leur a procuré la folie. Na ile inawatoa bazimu. Mais nous les sages. Sasa si wenye hekima. Nous ne prenons que ce que Dieu a dit. Sie tukurabala pa kile Mungu alisema. Amina. Puis c'est ça la sagesse. Il est Dieu et Kima. C'est ça qui nous a rendu sages. Na il est Dieu tu fais ton rabat toi et Kima. C'est cette parole. Ni neno. J'ai un ami. Nous un rafiki yangu. Quand on gagne avec lui l'argent. Wakati tunapata pamoja fedha. Lui a 100, moi j'ai 100. Mimi nina 100 na yeye na 100. Après deux jours. Kisha masiku mbili. Il n'a plus rien. Yana na kintu. Trop de femmes. Mais moi avec les 100 dollars, je me repose, la farine, bunga, le makala, bitoyo, nini pourquoi? La sagesse de la parole. Ekima ya neno. Mais lui dans sa folie, il s'est trop surchargé. Yeko na mabushito ya mingi. Satan l'a surchargé avec trop de femmes. Shetana sa kumweka bushito ya babiba mingi. Avec peu d'argent. Na feza kiloko. Il commence à souffrir. Sasa anaanza kuteswa. Mais nous, sasa she, Dieu nous a donné la paix. Mungu alitupatia salama. Il nous a donné la paix. Quand j'ai dit dollars, dollars, je sais qu'ils vont manger. Ils vont... Mais lui, quand il a dit dollars, les yeux rouges, je vais donner à qui? Mitapatia nani? Esclave. Mutomua. Tu ne te rends pas compte. Aou, nous libérés. Avec 10 dollars, dollars, madame, voilà ce que j'ai eu. Toute la maison s'est réjouie. Mais lui avec 10 dollars, à la croisée des chemins, j'irai à droite, j'irai devant, à gauche ou derrière. Retournons à notre sujet. 2 Pierre 3. Petro apili sur la tatu. Les minutes, hein? Ça va trop vite. Quand on est à la cité, ça ne va pas vite. Wakati tuko kwa nyumba endake mbio mbio. De Pierre 3. Petro apili sura 3. 10 à 14. Kwanza kumstari wa 10 mpaka 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Siku ya Bwana itakuwa sawa mwizi. Donc ça va les surprendre.
Mais nous, ça ne nous surprend pas. Nous sommes informés avant. Et ça ne va même pas nous rattraper. Quand ça va arriver, nous nous serons au ciel. Ce n'est pas même notre affaire. Pour nous, c'est une information. En ce jour, les ciels passeront avec fracas. Itapita na kapata. Donc, ils seront ici. Là au ciel, ma satellite n'a pas de pata. Ma satellite, les satellites vont se fracasser. Ni tu pata moule. Il y aura des tonnerres. Ni baba ou nacha mototoya koko na pita mbio koule. Tu laisses ton enfant. Mama koule. Chacun dans son coin. Les éléments embrasés se dissoudront. Bile bitu biyote binaweza kulungula, bita yeyuka mule. Bita pasuka pasuka biyote. Mabiuma, bile barifanya nabi biyote. Jua, mweji, nyota, bita kwa mule. La lune, les étoiles, le soleil. Mais toute la folie que l'homme a amené là, dans l'espace. Lakini basimu yote mtu aleka mule mwanga. Ce sont des éléments embrasés. Biyote bita lungula. Et ça va se dissoudre. Na biyote bita sungurika. La Bible nous dit dans le fléau, il y aura un moment où le soleil va chauffer cette fois, non? Et ces histoires vont résister. Ça ne va pas résister. Ça supporte avec la température que nous avons. Mais quand ça sera cette fois, et toi, quand ça va briller cette fois, le manguier va sécher. Dans ta maison, tu ne vas pas supporter. Tu seras où? Utakuyaka wapi? Tu seras où? Utakuyaka wapi? On ne doit pas jouer. Nduku, tuachene michezo. Arrêtons. Tushimamishe. C'est assez. Bisha kuendea. Aujourd'hui, Léo dit Seigneur, sema Bwana, c'est assez. Binaenea. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Oh, goudron. Oh, kaburimbo. Oh, pont, je ne sais pas moi, pontel. Oh, sodemto. Souvent en anglais, dit bridge, bridge tel, bridge tel. Bridge flani, bridge flani. Oh, stade tel. Oh, stade flani. Oh, ils ont construit le stade sur les eaux. Basa wenga stade pamai. Toutes ces œuvres-là. Ile matendo yote ya mutu. Tout ça. Biote bile. Bita pote, bita lungula. Ça sera dépense inutile. Itakuwa tunakupoteza kwa fedha kwa bure. Regardez l'argent qu'ils investissent dans le football. Mwangare fedha ile wanaweka mu football. Après, j'étais stomaqué un jour. Miri shanga shimu ndugu. Je suivais RFI, ça fait 5 ans ou 4 ans. Mwangwa ma miaka 5 au yini. J'ai ouvert. Wakati nifungula RFI et directement c'était l'émission de sport. Ilikuwa ni wanasema habari ya football. Les journalistes discutaient. Il a voulu que je puisse s'écouter. Et le journaliste qui dit, tu connais l'homme le mieux payé du monde? Non, l'homme le mieux payé du monde. Ça m'a intéressé. L'autre dit non. Il dit c'est le président de la FIFA. Il demande à l'autre, il gagne combien? Par an. Il gagne 1 milliard de dollars. Son ami dit non. Il dit, entrons dans le site tel. Entrons. Il était dans le studio de RFI. Et celui qui niait entre dans le site. Et lui-même est étonné. Il dit, ah bon? Donc c'est l'homme le mieux payé du monde. Donc, le président de la FIFA. Où le président FIFA? Dans 12 mois. Il a 1 milliard. Et qu'on a 1 milliard de dollars. Mais quand il y a des déplacés au Congo. On vous envoie 20 millions. 20 millions. Ils aimeront le plaisir. Plus que Dieu. C'est l'écriture qui s'accomplit. Il y a une écriture. Ils aimeront le plaisir. Plus que Dieu. Ce sont les signes des temps. Ni mahalama ya wakati ndugu. Un joueur on l'achète à 300 millions. Joueur mwebe na muza na 300 millions de dollars. Pour cet argent. Ni unajiuliza ile fedha. Vous avez des pays qui ont besoin peut-être de 50 millions de dollars. Kuma inchi unahitaji tu 50 millions. Laodicée. Laodikia.
Je suis riche. Nikumtajiri. Je suis riche. Nikumtajiri. C'est ça la Odyssée. Njo la Odikia. Mais aveugle. Lakini mwenye kwa kipofu. Il ne voit pas l'œuvre de Dieu. Aone kazi ya Mungu. Il ne voit pas le salut. Aone okovu. Il ne voit pas le danger qui est devant eux. Aone hatari ni kwa mbele yake. Il ne voit rien. Aone kitu. Ésaïe 2. Isaïe sur la pile. Église, ne vous faites pas peur. Kanisa musisikie boka. Ésaïe 2. Isaïe sur la pile. 12 à 22. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. Kwa maana kuko siku moja juu ya milele wa majeshi juu ya mtu wa kiburi na wenye kujivuna. Contre quiconque s'élève. Kwa yote wanajipandisha. Afin qu'il soit abaissé. Ili ashushwe. Écoutez, contre les cèdres du Liban. Itakuwa ile siku ya kusirani toka mierezi ya Libani. Nukse Mungu atakombanisha na miti. Atakombanisha na ile miti ya Libani. Et contre tous les chênes de Bazan, chênes na yonimichi. Na ile maamichi yote akubazam. Contre toutes les hautes montagnes. Yote na milima yote ya juu sana. Donc Dieu entrera en colère même contre les montagnes. Mungu atashiriki hata na milima. Contre toutes les collines élevées. Na tumabishukulu tote. Écoutez maintenant dans 15. Asamushikie samusara. Contre toutes les hautes tours. Na atashiriki yote ya minara yote ya yulu. Autrefois ce qu'on appelait tour. Msamani ile kwanaita minara. C'est ce que nous appelons aujourd'hui étage. Dieu est qu'on a été ma étage Léo. Donc Dieu va entrer en guerre contre les étages. Ça Mungu atakombanisha tele ma nyumba ya ma étage ile. Oh New York. Oh New York. Oh Hong Kong. Hong Kong. Oh ceci. Ah, oh iki. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Mais du retour de millennium. Lakini wakati wa rudia millennium. Du retour de la fête de noces. Wakati tunatoa karamu ya kondo. En entrant dans le millennium. Mbele kunya millennium. Quand nous descendrons. Wakati tushuka. Il n'y aura rien. Ce n'est pas la guerre de l'homme. La guerre de Dieu lui-même. On vous dit bien que ce tremblement de terre n'a jamais eu lieu. Ce tremblement qui se fait. Regardez comment les étages se démolissent. Mais ça, on vous dit que ça n'a jamais eu lieu. Ça, ça, il est à Kouyak, aïe à Kouyak, Ako. Donc, il faut comprendre le langage de la Bible. Tu n'as pas ce que vous citez à Mouzour, mais c'est même la Bible. Et on vous dit que la terre va même bouger sur sa barre. Manasema, dunia na yo, pa msingi yake itatenka. La terre va vaciller. Yo na yo itatenka, itapempa. Regardez. Mwangalie. Ça, c'est l'étage. Il est étage. Il a créé ici, c'est l'étage. Il est même pas l'étage. Quand la Bible est stable, la Bible c'est la terre. Biblia njo budongo. La créé aussi est stable. Na pemba na yo ishikala muzuri njo nyumba étage. Mais quand la Bible commence à vaciller, kama Biblia inaanza kutenka, la créé là, pemba iko hapo. Puisque certaines écritures vous pouvez les lire. Il faut entrer dans la pensée. Alors que vous allez comprendre la profondeur. L'homme orgueilleux sera humilié. Ule mtu akiburi atapatishwa haya. En ce jour-là. Mwile siku. Aujourd'hui l'orgueilleux. Leo akiburi. Il peut rester orgueilleux. Anazo bakia na kiburi. Mais il y a un jour. Lakini huku siku moja. Il sera humilié. Yeye atapatishwa haya. Et le hautain sera abaissé. Na majivuno ule kujipandisha atashushwa. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Ile siku ni wa milele tu njo atainuliwa. Seul Dieu ce jour-là. Ni paka tu Mungu ile siku. Oh président de la République. Oh raia wa rais wa nchi. Humilié. Patishwa haya. Oh premier ministre. Oh waziri wa kwanza atapatishwa haya. Oh général. Oh jemadari. Ce jour-là. Ile siku. Seul l'Éternel. Wa milele tu peke yake. Même les gardes du président ils ne seront plus veillés à sa garde. Ata benye bana mchumaka rais wa stanzo mchumba. Ils vont l'abandonner. Bata mwacha. Il n'y aura pas de président, non. Oh, raisi. Il s'enfuit. Bota takimbia.
18. Toutes les idoles disparaîtront. Lisons un peu Apocalypse 9, 20 et on va revenir. Gardez là, là, on va revenir. Apocalypse 9, 20. Lors d'un fléau, les gens vont refuser de jeter leurs idoles. Apocalypse 9, 20. Et on va revenir là-bas. Écoutez 9, 20. C'est lorsque les sixièmes anges sont la trompette. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas de leurs œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, des reins, des pierres, des bois, qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Lors de la sixième trompette, ceux qui vont survivre après le fléau, je vous salue Marie. Je vous salue, Marie, devant des statues. Les musulmans avec leurs statues. Les bouddhistes avec leurs statues. Mais avec ce qui va se passer par cette colère. Dans Esaïe 2:18, toutes les idoles disparaîtront. Écoutez 19. On entrera dans les profondeurs de la poussière. Dans les cavernes des rochers plutôt. Et dans les profondeurs de la poussière. Pour éviter la terreur de l'Éternel. Et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Écoutez dans 20. En ce jour. Les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils étaient faites pour adorer. Marie, ce jour-là, le statut de Marie, peut-être que c'est ça qui nous cause des problèmes. Mais dans la sixième trompette, ils vont revenir. Mais avec ce fléau, ils vont tout jeter. Statue de Joseph. Les dieux des Indiens. Jeter. Les statues avec les devins. Ils jettent. Dieu purifie la terre. Quand on leur a prêché, ils n'ont pas écouté. Quand est venue la sixième trompette, ils n'ont pas écouté. Mais avec cette frappe, ils jettent. Un catholique prend les statues. Dit que peut-être c'est ça qui nous cause des problèmes. Et il les jette pendant que le salut n'est plus sur la terre. Trop tard. La terre sera en mer. Sophonie 1. Sura Kwanza. Sophonie. C'est après Habakkuk et Nahum, Amos, Michée, maintenant Sophonie. C'est un petit livre où les gens ont du mal à se retrouver dans la Bible. Sophonie 1. Sophonie sura kwanza. 14 à 17. Kumina ine paka kumina saba. Je voulais aller en 18, mais d'autres traductions n'ont pas bien rendu 18, sauf le semeur. Hein. Le semeur. Je ne sais pas si je suis gardé du verset 18. Je vais m'arrêter 14 à 17. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte.
Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuées et de brouillard. Écoutez maintenant 16. Un jour où retentiront la trompette. C'est-à-dire la guerre. Vita. Et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Nikusema malalamiko ya vita. Kuile mamuji ya kubwa na yenye manyumba maetage. Na manyumba maetage faire oui traduire paka vile du bantu bashikie. Les villes fortes. Ile manyumba maetage yote, mamuji yote ya manyumba maetage. Pekin. Pekin. Tokyo. Tokyo. Oh, New Delhi. New Delhi. Oh, Paris. Paris. Oh, ceci. Dubaï. Oh, Dubaï. Oh, tout ça, toutes ces villes-là. Ile yote. Dieu se réveille maintenant. Mungu analamuka sasa. C'est la guerre contre les tours fortes. Mungu anaanza kukombanisha ile mamiji yote ya manyumba ya maitaji. Dieu se réveille, c'est lui-même. C'est une guerre contre les tours élevées. Ni Mungu yeye mwenyewe anakombanisha bila vitu vyote. Dieu regarde que c'est de la folie. Mungu anaangalia sasa ni bazimu. C'est de la folie. Ni bazimu. Ils ont imité la tour de Babel. Bo warifuatilisha ile mnara ya Babeli. Tour de Babel, j'avais rasé. Et aussi, ils ont refait ça. Ils ont fait des tours de Babel en miniature. Alors, j'entre en guerre avec tout ça. 17. Je mettrai les hommes dans la détresse. C'est Dieu qui parle. Je mettrai les hommes dans la détresse. Nyumba bou. Toute la maison s'écroule. Si c'est la nuit, qui sortira? Qui va s'échapper? Si peut-être en plein jour, ceux qui sont restés dans la maison, qui va s'échapper? Je mettrai les hommes en détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Puisque le soleil n'éclaire pas. Avec ce tremblement, toutes les barrages vont céder. Il n'y aura plus de courant. Les poteaux tombés. Je mettrai les hommes en détresse. Tawekaka watu katika tabu. Église, nous sommes ensemble. Kanisa tuko pamoja. Parce qu'ils ont péché. Kwa maana walitenda zambi. Je répandrai leur sang. Mita mwangaka damu yabo. Comme de la poussière. Sawa mavumbi. Et leur chair na mwili yabo, comme de l'ordure. Soa buchafu. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu eko nasema. Nous sommes restés à 7 personnes. Tulibakiria pa watu 7. Suivez bien la prédication. Mfate mzuri mahubiri. Puisqu'à la fête tous ensemble, on va voir quel chiffre prendre. Kwa maana kumwisho sio tutaona ni tutaweka hesabu kani. Sophonie 3. Sophonie sura 3. Ici, il se loue maintenant du travail qu'il a fait. Après qu'on ait dit si fou quoi quasi il en a fait. Sophonie 3, 6. Sophonie sura 3, mustara 6. J'ai exterminé des nations. Mire haribu mataifa. Nilipomona. Leurs tours sont détruites. Mamiji yabo ya manyumba maitaji yote na pomoka. J'ai dévasté leur rue. Mina haribu manjia yabo yote. Plus de passants.
hakuna tena wa kupita. Leurs villes sont ravagées. Mamuji yao yote sasa kupomolewa. Plus d'hommes. Hamuna watu. Plus d'habitants. Hakuna mtu anaonekana mule. C'est Dieu qui regarde maintenant, il a fini. Sasa ni Mungu ngo naangalia na maliza. Dans Psaume il est dit. Muzaburi anasema que quand le déluge au temps de Noé, wakati ya Noa pale darike, quand les gens mouraient avec l'eau, wakati watu walikuwa wanafa na maji, Dieu était assis où? Mungu alikuwa shikala wapi? Sur son trône. Paenzi yake. Ego na cheka. Ilirie. Ego na cheka. Ilirie. C'est quand je parlais, wakati ngo nasema, vous n'aviez pas écouté. Amukusiki yake. Maintenant c'est mon temps de rire. Sasa pana wakati yangu wa kucheka. J'ai exterminé. Sa mina haribu, mina pomona. Il n'y a plus de rue. Akuna tena manjia. Avec ces secousses qu'il y aura, na ile mtetemeko itakuyaka, le goudron, kaburimbo yote, avec la terre ferme, na budongo, ça va se détacher. Yote bitawachana. C'est clair. Iko wazi. Le pont, mabilalo yote, vont se casser. Bitapomoka. Il dit plus d'homme. Hakuna tena mutu. Quand Sophonie regarde, wakati Sophonie anangalia, il va sur la route Kasumbalesa ici. Anenyamu wala wala Kasumbalesa. Il regarde au niveau du péage. Anangalapa péage. Hapana mutu. Personne. Ah. J'avance d'abord. Minendelea kwanza. Il arrive au niveau de Kimuchi. Anafika pa Kimuchi. Il regarde. Anangalia. Personne. Hakuna mutu. Frère, avec ce tremblement, na ile mtetemeko ndugu, le puits 5 qui est à Kipushi, il puits 5 au Kipushi, cette ville de Kipushi, il est muja à Kipushi, quand nous rentrerons, wakati tarudiaka, nous les trouverons sous terre, tutaikutaka wote sasa kuingia chini. C'est comme Kolwezi aussi avec puits quoi ça la mine ici, c'est comme Kamoto, na iusa ile Kolwezi na ile muja Kamoto, na hii mtetemeko, toutes les villes où il y a les mines, muji yote mule mko maminere, ces villes seront se retrouveront enterrées, yo itakuwa yenye kuzikwa. Église, nous sommes ensemble. Kanisa tupa moya. Quand on parle de la colère de Dieu, vous pensez que c'est la colère comme un parent se fâche? Non, c'est la colère du Dieu saint. Ni kasirani ya Mungu mtakatifu. Et la Bible dit, na Biblia inasema, c'est l'agneau qui entre en colère. Ni mwana kondo mwenye anashirika. Il dit, cache-nous à la colère de l'agneau. Tu fuchame kuile kasirani ya mwana kondo. Le ville ont disparu. Mamuji yote inapotea. Plus de route. Hakuna manjia. Il n'y a plus de passants. Hakuna watu wa kupita. Il n'y a plus d'habitants. Hakuna bantu wa kukala mamuji. Parti. Yote inapotea. Et Dieu dit. Na Mungu anasema. Donc ça sera, le sang va se répandre comme la poussière. Damu itamwagika sawa vumbi. C'est un événement universel. Ni mambo itafanyika fasi yote. Et les corps, ça sera comme des ordures. Namili, t'as quoi ça, buchafu tu? Personne n'enterre personne. Akuna muto tajika muto mwinzaki. Personne. Tu peux te retrouver que tu es le seul à échapper dans ta maison. Unaweza kutoka sawa njo ushakulipona mu nyumba yako. Ta femme et tes enfants. Muke na watu wako. Sous les décombres. Basha kuanguka. Tu vas le creuser. Basha kupotea mu. Tu vas chercher la femme. Tu vas chercher l'enfant, tu vas chercher ceci, et au même moment, ce grêlon-là de 27 tonnes, de 27 kilos, ça vient. La maison tombée. Rafiki utakuwa wapi? Où seras-tu, mon ami? Ce n'est pas un jeu. Aina michezo. Dieu dans Isaïe dit ce que j'ai décidé. Mungu anasema Isaïe sasa ile mpango milibeba. Je le ferai. Mite itimiza. Sophonie 1. Sophonie sura kwanza. Donc ce prophète lui n'a vu que ces événements là kama unamwangalia mubiake tu. Unabi mambo yanaanza kuona pa kubomolewa kwa miji. Njo vile frère, on interprète bien. Jobilia Rion 2, 1, 2 et 3. Sophonie je détruirai sur tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Tout. Stade détruit. Mabiwansa biote.
Maison détruite. Manyumba biote na bumoni. Route détruite. Mabarabala. Pont cassé. Mabilalo biote na vunjika. Usine inawaka moto. Makampuni yote inawaka. En ce temps ici. Mui wakati. Goma. Goma. Avec son Nyiragongo. Na ile Nyiragongo volcan. Atalamuka. Itatomboka. Parce que ce tremblement va réveiller tout ce qu'il y a sous la terre. Il est où tu te mets biote. Tout le volcan. Ma volcan yote. C'est pourquoi dans Malakai il dit. Joka mana Malakai nasema. Que quand nous allons rentrer. Wakati tusarudia. Nous marcherons sur la cendre des méchants. Tutatembeaka hapa maivu le ya watu wabaya. Le volcan aussi fait le travail. Mwili wakati. Ma volcan yote fanya kazi yabo. Il n'y a pas seulement l'eau. Hakuna tu aina paka mai. Il n'y a pas seulement le tremblement. Hakuna tu tetemeka udongo. Il y a le volcan. Kuko ma volcan. Et à côté des volcans. Mpeme ya volcan. Il y a le centre nucléaire. Kuko ma centre nucléaire. Ya mairanium. Mungu akubariki frère. Frère, vous comprenez un peu comment l'homme s'est déjà piégé. Les dépôts de bombes qu'ils ont. Les mouvements, quand les bombes vont se croiser. Wakati tapatana. Frère, imaginez-vous. Mwaze kwanza. Comment l'homme s'est déjà piégé lui-même. Namna kani mtu mesa kulitekea mteko nja ya kujaribu. Donc tous ces bombes là. Ile mabombu yote. Quand ça va se croiser mu ile mouvement bina kumbana. Kupitia leo tetemeko wakati takutana. Tout ça. Yote ile. C'est l'homme qui va payer. Ni mtu njo atalipa tu. Et tu veux rester? Na unapenda kubakia? Pour vivre ces histoires? Njo ya kuishi ile vitu. C'est ton affaire. Ni mambo yako. Jérémie 25. Jérémie 25. Jérémie 25. Jérémie 25. 32 à 33. Moussa 25. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ivi Yehova majesa nasema. Voici. Tazama. La calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ce que tu auras l'Éternel en ce jour. Seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés. Ni recueillis. Ni enterrés, ao kuwazika, ils seront comme du fumier sur la terre. Pas de cercueil. Hakuna masanduku. Pas de cimetière. Hakuna makaburi. Pas de deuil. Hakuna birio. Pas de morgue. Hakuna mafasha kuwekea wafu. La morgue déjà isha kubomoleka. Parce que tout est détruit. Frère, ndugu, ce message, hii ujumbe, c'est un message précieux. Ni ujumbe ya damani sana. Si tu le prends du bout des doigts, kama wako unaibeba kunchonga bilolo yako na mizaa, c'est ton affaire. Ni mambo yako kama unafanya michezo. C'est une question de vie ou de mort. Hapa ni lufu au kupona. Et quand Jérémie, après tout ça, na kisha yote hii, Jérémie a regardé. Jérémie aliangalia. Écoutez ce qu'il dit. Musiye kila nasema. Jérémie 4. Jérémie sura ya 4. Tout est détruit. Biote vinapomolewa. Jérémie 4 23. Jérémie sura ya 4 mstari wa 23. Écoutez, je regarde la terre. Mina ngaria. Et voici. Tazama. Elle est informe et vide. Aina tena na hali iko tu wazi. Ça c'est Dieu qui l'avait dit dans Genèse. Hapa ni Mungu alisemaka mwanzo. Avant la création. Mbele ya kuumba. On dit que la terre était informe. Dunia ilikuwa kabila hali na bila apokuwa kitu. Mais après tout ça. Kisha kubomolewa kwa vitu. Quand Jérémie regarde. Wakati Jeremia anaangalia. Dans sa vision. Mkuono yake. Il dit la terre. Anaona anasema dunia. Est informe. Inakuwa bila hali. Et vide. Na hapana kitu. Les arbres. Michi. Tombe. Isha kuanguka. Les montagnes. Milima. Disparu. Isha kupotea. Les collines. Ma misukuru yote isha kupotea. Les étages. Ma binyumba tema étage. Yote isha hotel gratte-ciel. Isaïe regarde, il dit. Isa nangaria anasema. La terre est informe et vide. Jeremia nangaria anasema.
Dunia iko wazi, hapana kitu. C'est pourquoi nous avons lu, Dieu a dit que je laisserai la terre en solitude. Yo yenyewe abandonné en solitude. Le ciel et leur lumière a disparu. 24. Je regarde les montagnes et voici, tazama, elles sont ébranlées. Isha là où la montagne va être ébranlée. Pale milima itatenka. Nos maisons ici vont résister. Ima nyumba yetu itapona. Kilimansimba ile. Ye Kilimansimba. Bane yeyusha bane shusha yote. Ébranlée. Et ima nyumba yetu. Et maintenant nos maisons. Ou bien cette église. Awe kanisa. Pensez-vous qu'elle va résister? Ono wazia sa itabakia. Vanité de vanité. Ubatili. Tout est vanité. Ubatili yote ni ubatili tu. Amen. En ce jour. Il est siku. Et forest milliardaire. Forest mwenyekwa na feza mingi. Et un pauvre. Na mwenye mtu amaskini na maskini. Même sort. Bo, batapata ni kitu kimoya. La banque détruite. Banki yesha kupomolewa. Tous les dollars enfouis. Madola yote napotea. Et le riche, nam tajiri, et le pauvre, nam maskini, même statut. Bote atakuwa kimoya ile siku. Et en ce moment, na mwile wakati, nous là au ciel, siku la kumbingu, murio na munyo. Amen. Amen. Et après avoir mangé, kisha kula, frère Wakidar, wakisha. Oh, Wakidar kule. Nous commençons à danser. Tunaanza kucheza. Nous commençons à danser. Tunaanza kucheza. Nous dansons. Tunacheza. Ici on graisse les dents. Hapa ndio nasaka meno. Voilà. Tazama. Le résultat du message. Njoo sasa matukio sasa ya ujumbe. Nous en train de danser. Siko leo tunacheza. En train de manger. Tunakula. En train de contempler Jésus. Hapa tunamwangalia Yesu. Mais vous ici. Mwe hapa. En train de fuir. Mbona kimbia? Mbona tafuta kwa kimbia kufuchame? Qu'est-ce qui va arriver encore? Ni itafika tena. Puisque quand les fléaux vont commencer, même les musulmans auront besoin de lire la Bible. Attends, Islam batanza kusoma Biblia. Pourquoi? Dieu a nini? Mais après ça, kisha ile, qu'est-ce qui va suivre? Nini non, c'est dans l'Apocalypse. Oh, mufunuo, barisa mufunuo. Après ça, il est dit qu'il y aura ça. Oh, kisha hiki kutakuwa hii. Nous attendons encore. Tunachunga hiki. Nous attendons. Après ça, kisha hiki. Tout le monde lira la Bible. Kila mtu bado atatafuta kusoma Biblia. Aujourd'hui, c'est nous qui lisons. Leo ni sisi tunaisoma. Mwe na ma Biblia yenu. Leo vous avec vos Bibles. Nous on a trouvé le secret de la Bible. Sisi tusakupata siri ya Biblia. Par la Bible. Kupitia Biblia. Nous avons la vie éternelle. Tuna uzima milele. Par la Bible. Kupitia Biblia. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Tunaitwa watu wa Mungu. Par la Bible. Kupitia Biblia. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Sisi tunarithi na Kristo. Par la Bible. Kupitia Biblia. Nous allons régner avec Dieu. Tutatawala na Mungu. Par la Bible. Kupitia Biblia. Nous sommes des grands rachetés. Tusakomolewa. Par la Bible. Kupitia Biblia. Nous sommes les biens de Dieu. Je, tukumalia Mungu. Et Dieu veille sur nous. Na Mungu anakesha ile yetu. Il dit même. Et on a sema. Si on te touche. Bali kutusha. On touche à la primaire. Kama anakugusa, anagusa mboni ya mulicho yangu. Nous sommes des intouchables. Je, hakuna mtu anaweza kutugusa. Par la Bible. Kupitia Biblia. Si on te touche. Kama anakugusa. Bali on a touché à mon. Anagusa licho ya Mungu. Et ça je ne veux pas l'accepter. Na ile Mungu hawezi uitika. Juu ya nini? Nous sommes identifiés à Christ. Che, tulijifananisha na Kristo. Tout le monde voudra lire la Bible ce jour. Kila mtu ile siku atapenda kusoma Biblia njoo njoo nini kafika. Oh, Qur'an wataitupa. Quand ils vont jeter les idoles. Wakati atatupa sanamu. Tout, ils vont tout jeter. Biote atatupa. Puisque ils comprennent que ce qui se fait. Bataileo sasa hivi inapitikana. C'est écrit rien que dans la Bible. Yo, basi wanaandika tu mu Biblia. Ils comprendront que na wataelewa kwa Biblia. Biblia est le livre de la vérité. Njo kitabu ya ukweli. C'est l'unique livre de la vérité. Na njo kitabu cha ukweli kiko kwa dunia paka kio kimoya. On n'a pas le temps. Atuna na wakati. Sinon on allait lire tous les fléaux. Tupasa kusoma mapigo yote. Pour que vous compreniez un peu. Njo mpate kuelewa. Frère, aujourd'hui. Leo ndugu. Il y a la pluie. Kuko mvula. Nous mangeons avec difficulté. Tunakula na mateso. Quand les deux ouin. Les deux ouin. Wakati wale wapakaliwa wili watas. Ils vont bloquer la pluie. Watashimamisha mvula. Il n'y aura plus de maïs. Hakutakuwa minji. Il n'y aura plus d'eau. Hakutakuwa mai. Ça sera comment? Ça kutakuwa gaje. Est-ce que vous vous posez cette question? Munejulizaka hii. Nous avons la pluie. Tunamvula. Nous avons des carences.
Lakini tukuna angaika. Puisque les deux ouais, vont fermer le ciel. Kwa maana wale wa pakalo wao ile atafunga mbingu. Maintenant quand ils vont fermer le ciel. Sasa wakati watafunga mbingu. Le sac de farine coûtera combien? Sasa mfuko wa bunge utakuwa na bei gani? Amen. Est-ce que tu as intérêt de manquer l'enlèvement? Et ouais, nous tu pousa kunyakuliwa. Pour gagner quoi? Njia kupata nini? Pour gagner quoi? Njia kupata nini? Jérémie regarde. Jérémie anangalia. Il dit la terre est informe et vide. Kusema dunia iko bila hali na hapana kitu peko wazi. Et dans Psaume 46. Na Muzaburi 46. 9 à 11. Kenda paka 11. C'est nous qui parlons maintenant quand nous revenons du ciel. Venez. Venez. J'appelle frère Eric ou frère Cédric ou je ne sais quel frère. Venez. Contemplez les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Frère Eric, venez voir. Puisque nous aurons la chance de quitter dans la Jérusalem céleste là, et de sur la terre. Comme les anges, nous devons quitter le ciel, venir sur la terre et rentrer. Nous, dans cette Jérusalem, on aura le privilège de venir et rentrer. Frère Eric, allons à Kanyaka. Venez voir. Venez voir le ravage. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Musimame. Arrêtez. Musimame. Et sachez que je suis Dieu. Na mujua kusema mie njo Mungu. Je domine sur la nation. Niko natawala pa mataifa. Je domine sur la terre. Na natawala pa dunia. Amen. Et dans 12 c'est nous qui parlons. Na musiku mumu 12 tunasema. Comme les Juifs aussi le diront. Sa vile wa yote tasemaka. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mungu wa Yakobo njo kificho yetu ya juu. Njo kimbi njo gombe yetu, njo kimbilio yetu. Njo kimbilio yetu. Dans Malaki. Mu Malakia. Dans Malakia. Malakia. Quatre. Car voici les jours viennent. Tazama siku inakuja. Quatre un. Ardent comme une fournaise. Et quoi, makaisa na sawa tanuru ya moto. Tous les hautains. Wakujivuna wote. Et tous les méchants. Seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je préparerai, dit l'Éternel des armées, nous allons fourrer de la cendre. Frères,
Frère, ma soeur, aujourd'hui c'est ton jour. Léo, ni siku yako. La Bible dit, Biblia nasema, aujourd'hui, Léo, si vous entendez sa voix, ukisikia sauti yake, n'endurcissez pas votre usifanye moyo wako mugumu. Dieu n'a rien à perdre si toi tu te retires. Kama wewe unaacha vya Mungu, Mungu asipoteshe kintu. Il n'a rien perdu. Asipoteshe kintu. C'est toi qui perds. Ni wewe ndio unapotesha. Tous ceux qui abandonnent la parole, bote wale wanaacha neno la Mungu. Dieu se moque d'eux. Mungu anawachekelea tu. Puis ce n'est pas Dieu qui a perdu. Ndio aina Mungu anapotesha. C'est toi qui est perdant. Ni wewe ndio unapoteza. La terre sur laquelle nous vivons, hii dunia hapa tunaishi, elle est à sa fin. Iko ku mwisho. Elle est à sa fin. Et le péché na zambi est à son comble. Inesha kuyala. Ce qui retient Dieu, ile na mchunga tu Mungu, c'est toi et moi. Ni wewe na mie. Notre présence sur la terre, uwepo tu wetu pa dunia, c'est ce qui calme la colère de Dieu. Ndio kuna simamisha ukasirani ya Mungu. Je rendrai les hommes rats. Mais avec tout ce que nous venons de voir, dans les sept personnes restées, on peut soustraire combien? 5. Il y en a qui parlent de 5. 6. Ici, on parle de 6. Il y en a qui parlent de 4. On prend la moyenne de 4. Nous sommes restés avec combien? Donc, à notre retour, par rapport à notre chiffre d'illustration, sur 20 personnes qu'il y a maintenant, les 7 milliards, il ne restera que 3. Donc, 17 partis. Si on pouvait prendre 6, donc on resterait avec 1. Quand on trouvait, si on pouvait prendre 5, on resterait avec. C'est pourquoi j'ai pris 4. Nous restons avec 3 sur 20. Dieu, c'est un père bon. Mungu ni baba mwema. Mais aussi un père sévère. Na baba tena mwenye kwa mkali. Pendant le temps de sa bonté, mwakati ya wema wake, profitez-en. Mchukue bati. Au temps de sa sévérité, mwakati ya ukali wake, il n'y a plus de miséricorde. Hakuna tena rehema. Il n'y a plus de grâce. Hakuna neema. Et la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Na Biblia inasema, Mungu asikututayarishe ukasirani. Non, nous ne sommes pas destinés à la colère. Si atutayarishe ukasirani. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Élie. Ndio kwa maana alitutumia Elia. Le message est là. Ujumbe yo ikwako. C'est à toi de savoir comment tu vis. Upate kujua ni namna kani kunaishi. Terminons par Galates 6. Tumalizie kupitia kitabu ya Galatia sura 6. L'essentiel a été dit. Ya mafa inasemewa. Galates 6. Wa Galatia sura 6. 4. Mustari wa 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Kila mtu achunguze matendo yake. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Sasa pale ndio anaweza kujitukuza yeye mwenyewe. Et non par rapport à autrui. Hapana kujilinganishwa na mtu mwingine. Non moi par rapport à tel. Mie, moi par rapport à mie tel. Na ule, non, mie regarde na toi par rapport à la parole. Wewe uliangalie kupitia neno. Le miroir c'est la parole. Kio ni neno. Ce n'est pas ton voisin, ton ami. Non, non. Aina que chacun s'examine par rapport à la parole. Kila mmoja ajichunguze kupitia neno. 5. Tano. Car chacun portera son propre fardeau. Kwa maana kila mtu atachukua mzigo yake. Examine-toi. Ujichunguze. Le miroir c'est la parole. Kioo au rikalashi ni neno. Jésus-Christ a donné le salut.
Yesu Kristo aleta wokovu. Si tu veux participer, kama unapenda kushiriki, la porte d'entrée, mulango, c'est de croire d'abord Jésus Christ. Ni kumwamini kwanza Yesu Kristo. Et recevoir la parole de vérité. Na kupokea neno ya kweli. Et tu auras le Saint-Esprit. Na utapokea Roho Mtakatifu. Dans Jean 14 Jésus a dit, mu Yohane 14 Yesu alisema, si vous m'aimez, kama mnanipenda, gardez ma parole. Chungeni neno langu. Mon père vous aimera. Baba yangu atimpenda. Moi et mon père. Mimi na baba yangu. Nous viendrons faire notre demeure chez toi. Tutakuja kuikala ndani yenu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Jehovah tu Roho Mtakatifu. Faire demeure. C'est rester là pour toujours. Garder la parole. Neno, la parole de la vérité. Neno ya ukweli. Quand Dieu regarde qu'il y a la parole, il, je vais habiter là-bas. Anasama, miye, mine, de pale. C'est ça le secret du baptême du Saint-Esprit. Njo, sire, wa batu, mtakatifu. Là où il y a la vérité, pale, peko, ukweli, il n'y a plus de délai pour le Saint-Esprit. Apana, apana masiku, asama, no, no. Franjo, batu, mtakatifu. Quelqu'un qui est prêt à croire la parole, umutu, mine, kwa, taere, kwa, mine, neno. Au même moment qu'il se convertit, pale, pale, anageuka. Au même moment qu'on le baptise, paka pale wanambatiza, au même moment Dieu lui donne le Saint-Esprit. Pale pale Mungu anampatia Roho Mtakatifu. Il est disposé. Njue yuko tayari. C'est ça avec Corneille. Njoo vile ilipatikana na Corneille. Corneille avant de le baptiser. Corneille mbele ambatize. Il avait déjà le baptême du Saint-Esprit. Alipokeaga Roho Mtakatifu. Pourquoi? Tu as nini? Il était disposé à recevoir la vérité. Eh, alikuwa tayari akupokea ukweli. Et Dieu a regardé. Na Mungu aliangalia. Je vais le priver le Saint-Esprit. Anasema mtamkatia Roho Mtakatifu. Il faut le Saint-Esprit pour conduire cet homme. Inapaswa Roho Mtakatifu ndio amuongoze huyo mtu. Dieu est prêt. Mungu eko tayari. À toi de décider. Sasa ni wewe ndio kuchukua mpango. Je rendrai les hommes rares. Mitafanyaka watu wako chache au kidogo. C'est une prophétie qui va s'accomplir bientôt. Ni unabii yenye itatimilika bado kidogo. Toi et moi, wewe na mie, nous sommes avertis. Tushakukalamushwa. Dieu nous a envoyé un prophète. Mungu alitutumia nabii. Et au travers de son message, na kupitia ujumbe, voilà les vérités que nous avons. Sasa tazameni maukweli tuko nayo. Maintenant, si nous ratons, sasa kama tunakosa, je me poserai la question. Minta juliza, quelle a été ton importance dans ce message? Sasa, mafaa yako, mwi ujumbe, ni nini? Figurez-vous Noé, asa mwazie kwanza Noah, qui construit l'arche, mwenye anajenga safina, et lui-même se retrouve dehors. Sasa kie mwenyewe, anakuwa inja, anakufa na dariki. A quoi bon? Asa ilikuwa mzuri kunjua ni apate kuyenga. Tu as été dans le message, woro kwa mujumbe, tu as vécu dans le message, uishi mujumbe, mais sans le message. Lakini, bila ujumbe, à quoi bon? Sasa ilikusaidia kunini? Puisque les païens, bapagano, quand ils vont arriver là-bas, wakati watafika kule, nous méritons. Batasema, si, tunastahili. Nous avons tout fait. Tulifanya biote. Et toi, tu te prives certaines choses. Sasa wewe unajikatalia vitu vingine. Et tu fais certaines choses, quelques autres choses. Sasa wewe unafanya vitu vingine. Tu renies la foi. Sasa wewe unakatala imani. Aujourd'hui, leo, dis à Dieu, umoneshe Mungu, c'est assez. Kuna malizika. Pour cette semaine, jua ijuma, que notre Père, Baba yetu, vous accompagne, apate kumisindikiza, vous bénisse, amibariki, et surtout que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Zaidi ya yote, Mungu amipatie Roho Mtakatifu. Mutapenda turudie tena? Moi, je pensais que certains vont dire à frère Wende Biko Biangu. C'est pour ça que j'ai frère Biko Biangu Wende. Frère, c'est trop dur. Cette nourriture, chakula, c'est la nourriture solide. Ni chakula ya nguvu.